Bonjour. On va traiter un exercice sur le système d'énumération, c'est-à-dire un exercice de l'arithmétique. L'exercice est le suivant. Déterminer le nombre entier du système décimal qui s'écrit A, B, C, A de le système à base 11 et B, B, A, C de le système à base 7. Donc, on va chercher ce nombre, c'est-à-dire on va trouver les chiffres A, B, C, A. Bon, soit N son nombre. Donc, N dans la base décimale va écrire sur la forme A multiplié par 11 puissance 3 plus B multiplié par 11 au carré plus C multiplié par 11 plus A multiplié par 11 puissance 0. Il est égal aussi à B multiplié par 7 au cube plus B multiplié par 7 au carré plus A multiplié par 7 plus C. Donc, cela implique que A multiplié par 11 au cube plus B multiplié par 11 au carré plus C multiplié par 11 plus A est égal à B multiplié par 7 au cube plus B multiplié par 7 au carré plus A multiplié par 7 plus C. D'accord. Bon, 11 au cube, c'est 11 au carré, c'est 121. 121 multiplié par 11. Donc, cela implique que 1331A plus 11 au carré, c'est 121B, plus, pardon, plus 6, multiplié par 11, c'est 11C. Plus A est égal à 7 au cube. Bon, 49 multiplié par 7, 63, 28, 34. Donc, c'est 343B. Plus 49B plus 7A plus C. Bon, implique, pardon, que 1331 moins 7A plus 121B moins 443 plus 49B plus 11 C sept A. Donc, bon, on a plus une fois, oui, plus A est égal à 0. Cela implique 1331 plus A
plus 1, 6332, moins 7, 6325. A, moins. Plus, pardon, 121, B. Ici, 343 plus 49, 12, 1, 9, 3, 621, pardon, moins 121, égale à 1, 7, 6, 200, moins 200, pardon, moins 260, B, plus 10C est égal à 0. Bon, que l'on peut écrire 132, pardon, 1325A plus 10C est égal à 271B. Cela implique que 5 facteurs, 1325 divisé par 5, c'est 2, 2, 10, donc c'est 2, 22, 4, 4 multiplié par 5, 20, 25, 6, 200, 40, 240, 45. Plus de C est égal à 271. D'accord. Donc 13 divisé par 5, c'est 2 de 10. 10, pardon. Ici, 10, c'est 3. 32, c'est 6. Pardon. 6, multiplié par 5, 30. 32, 25. C'est 2665. Bon. Le nombre 2700 est premier. En effet, les diviseurs, bon, les nombres premiers dont le carré est inférieur ou égal à 271, 100. Bon, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Bon, 17 multiplié par 17, 49, 419, 17, donc 9, 8, 271, il dépasse 289, il dépasse, donc c'est 13 qui... Voilà, on peut vérifier facilement, pardon, que 271 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Il n'est pas divisible par 2, car c'est un nombre impair, il n'est pas divisible par 3, car la somme des chiffres est différente d'un multiple de 3, 2, 9, 10. Il n'est pas divisible par 5, car le chiffre des unités est différent de 0 et 5. Il n'est pas divisible par 7, on peut le vérifier. 27 divisé par, donc c'est 3, 21, 6, 1. 61 divisé par 8, 8, il nous reste 56, 5. Il n'est pas divisible par 7. Il n'est pas divisible par 11, car la somme alternée, 2 plus 1, c'est 3, moins 7, 6, moins 4, n'est pas un multiple de 11. 13, 2700,
divisé par 13, c'est 2, 11 divisé par 0, différent de 0, donc il n'est pas divisible. Donc, le son, oui, est le premier. Maintenant, bon, cette égalité implique, bon, cette égalité implique 5 qui divise le 171B. Bon, on a fait écrire, pardon. Bon, c'est sur entre parenthèses. Donc, cela implique que 5 divise le 171B. Et comme le 171 est le premier, donc le BGCD de 5 et de 171 est égal à 1, cela implique, bon donc, d'après le théorème de Gauss, on a 5 divise B. Cela implique que B, les divisions de B sont 5 divisé B, donc les divisions de B, donc B égale 1, 5, il ne peut pas dépasser 7, car l'écriture est de la base 7. Donc B inférieur, pardon, voilà, donc il est égal à 1 ou 5. Bon. Si B est égal à 1, donc cette expression n'aura pas lieu, cette égalité n'aura pas lieu. Pardon. Si cette égalité n'aura pas lieu, donc si, pardon, si B est égal à 1, alors, on va appeler cette égalité, on va appeler I. Alors, I implique 5 facteurs de 260. Ceci est faux. Ceci est faux. Donc, B est différent de 1. Cela implique que B est égal à 1. B est égal à 5. Implique que B est égal à 5. B est égal à 5. Donc, d'après
l'égalité U, on a 5 facteurs de 265 A plus de C est égal à 271 multiplié par 5. Donc on va simplifier par 5. Cela implique voilà. D'accord. Maintenant, si A est supérieur strictement à 1, donc 265 A est supérieur à 265 plus 2C. Bon, si C est égal à 0, on n'aura pas l'égalité. Si C est égal à 2, est égal à 1, on aura, bon, si C est égal à 0, on aura, bon, si 2 est égal à, pardon, si C, bon, si A est supérieur à 1, donc 265A est supérieur, implique, pardon, 265A est supérieur à 265. Cela implique que 265A plus 2C est supérieur à 265 plus 2C. Bon. Donc 261 il est supérieur car 265A plus 2C il est égal à 261. Donc il est supérieur bon si, donc on n'aura pas l'égalité. Cela implique que A est inférieur ou égal à 1. Cela implique que A appartient à l'ensemble 0,1. Bon, A ne peut pas être égal à 0 car il est en tête d'un nombre A, B, C, A dans la base 11. A est différent de 0 car il est en tête d'un nombre dans la base 11. Donc A est égal à 1. Si A est égal à 1, cela implique que 265 multiplié par 1 plus du C est égal à 271. Cela implique que du C est égal à 271 moins 265, cela implique que du C est égal à C6, implique que C est égal à 3. Donc, A est égal à 1, B est égal à 5, C est égal à 3. Donc, N il est égal à 1 multiplié par 11 plus 103 plus A
donc si le nombre, si A, B, donc 5 multiplié par 11 au carré, plus C, c'est 3, plus A, plus 1. Bon, 11 au carré, c'est déjà calculé. 121 multiplié par 11. 1, 2. Donc, c'est 1, 2, 1. C'est 1, 3, 3, 1. 121 multiplié par 5, 5, 10, c'est 100. 5 plus 33, cinq, six, sept, donc 6, 7, 9, oui, donc il est égal 1331 plus 605 plus 33 plus 1 qui est égal de laisser c'est ma base 10, 1970. Donc le nombre qu'on cherche c'est 1970. Voilà. Merci pour votre attention. À la prochaine.